Les tableaux de Marcel d'Anthony Brown. Marcel aime peindre et regarder les tableaux. Il sait que chaque image raconte une histoire. La tenue d'Adam, vite, couvre-toi. Mon plus beau château de sable. J'en étais vraiment fière et pourtant j'avais l'étrange impression que ce château essayait de m'avertir de quelque chose. Plein, plein, plein de petits points. Peu à peu, nous avons commencé à remarquer des choses très étranges dans le parc. Les bonnes femmes. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez de peindre toute cette herbe. Rêve du petit matin. Je sors juste promener mon chien. Mon anniversaire. Au début, je m'amusais follement. Mais s'arrêterait-elle jamais? À la piscine. Oh non, je me suis trompée de vestiaire. Éveil à la vie. J'étais sur le point d'achever ce tableau quand j'ai entendu une petite voix dire « Donne-nous un coup de main !» Le sourire mystérieux. Et toi, saurais-tu élucider ce mystère? La pêche miraculeuse. Nous n'avions rien pêché de la journée et nous nous apprêtions à rentrer quand nous avons lancé une dernière fois notre filet. Chambre sans vue. J'ai toujours détesté regarder dehors par cette fenêtre. Alors un matin, j'ai décidé d'agir. Mon cauchemar. L'horrible carton d'invitation disait « Vous êtes cordialement invité au mariage de Mimi et de Pif, la terreur. » Une étrange journée. À peine étions-nous arrivés que Mimi sembla pressée de rentrer. « Désolée, dit-elle, mais je dois filer. » Et elle s'envola. Paysage avec oignon. Nous l'avons suivi pendant des kilomètres avant de le débusquer enfin. Presque un autoportrait. Quelques amis ont voulu m'aider. Le héros. On peut rêver, non? Maintenant, retrouve les tableaux dont s'est inspiré Marcel. Eux aussi racontent des histoires. Compare chaque image de ce livre avec son modèle et lis ce que Marcel en dit. C'est fini.